Oh, ça tire, ça tire, ça tire, ça arrive. Oh, ça se voit. Oh! Je vois une popo, je vois une popo, je vois une popo, je vois une popo. J'avouerai, j'ai fait au moins 44 fois cette scène, hein, pour pouvoir la réussir. Enfin bref. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo du dimanche et je tiens à rappeler que le dimanche c'est une vidéo et découverte. Oui, parce que ça y est, enfin, enfin j'arrive à tenir 3 vidéos d'affilée et ce sera pas la dernière. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, non, cette fois-ci, je vais pas te demander de mettre des pouces bleus. Enfin, si t'en veux, tu mets, hein, mais... J'ai quelque chose à vous annoncer. Sachez que, aux 7000 abonnés, eh bien, je fais une FAQ. Donc, n'hésite pas à rejoindre mon Instagram, parce que ce sera sur Instagram que je vous lancerai, du coup, le moment pour me poser un maximum de questions. Et ensuite, je répondrai en vidéo. Deuxième information, et celle-ci, elle est assez importante, ça concerne Huawei. Alors, non, vous inquiétez pas, je suis toujours avec Huawei. Ne vous inquiétez pas, oh. Non, il y a eu quelques modifications avec l'App Galerie, c'est-à-dire que les 50% de cashback passent dorénavant à 30% de cashback. Ils reviendront vers nous pour plus d'informations, s'il y en a encore des nouvelles, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il y a toujours l'offre de cashback pour les joueurs Free Fire ou bien même de d'autres jeux qui sont sur la galerie. Malgré que ça soit pas une vidéo Free Fire, je me permets d'en parler parce que je sais qu'il y a des gens Free Fire qui, bah du coup, qui aiment utiliser la galerie. Donc voilà, je tenais à vous tenir informé qu'il y a toujours l'offre, du coup, avec la galerie, sauf que cette fois-ci, c'est 30%. Enfin, bref, revenons à nos petits cornichons. D'abord, les amis, si ce genre de vidéo découverte vous plaise, n'oubliez pas, la petite pause bleue, la petite commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr, et n'hésitez pas à t'abonner, c'est pas déjà fait. Donc les amis, nous voilà directement sur l'interface de Rise of Heroes. Alors, l'interface, c'est comme tous les autres Battle Royale, vous avez le pass, vous avez les coffres quotidiens, vous avez les coffres de mission, vous avez les missions, sauf que là, il y a un truc différent, c'est les héros. Les héros, non seulement ils ont une tonne de skins, donc des skins assez stylés. L'héros, c'est un personnage que vous pouvez prendre et celui-ci a des caractéristiques que les autres n'ont pas. Par exemple, elle a une lance et une sorte de... Je sais pas ce que c'est ça. Medusa. En vrai, je suis nul en anglais, donc ça va être compliqué de décrire. Mais voilà, en gros, chaque héros a des caractéristiques différentes. Donc voilà, il y a aussi masse de skins. Je peux pas vous cacher que celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai fait « What the fuck ?» Il est stylé, quoi. Il y en a aussi que j'aime bien. Alors, malheureusement, je joue pas avec le personnage, mais je le connais, du coup, le skin, c'est celui-ci. Il est frais comme un glaçon. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur les héros, parce que c'est pas ça le principal, c'est vraiment le gameplay. Si vous voulez plus de vidéos, plus approfondies, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là, le but de cette vidéo, c'est de découvrir le gameplay. Donc, on va partir en ranked, mais sachez qu'il y a le ranked, late stage, la melee mode, et du coup, custom room. Ok, donc les amis, nous voilà directement dans le lobby. Et dès qu'on arrive dans le lobby, il vous propose de choisir, du coup, comment ça s'appelle, un peu un truc en plus. Je sais pas comment je peux le dire. Ouais, je sais pas comment je peux le dire. À chaque fois, il me propose le golden, donc je vais prendre le golden. En tout cas, à gauche. Je sais pas ce que c'est, mais je vais le prendre. maintenant, il me propose de choisir, du coup, le héros que je vais utiliser. Moi, j'utilise toujours Lily. Comme je vous dis, j'ai pas beaucoup joué. Alors, le gameplay. Je vais pas vous cacher que c'est assez bizarre sans l'être. Voilà. Vous avez les attaques avec une épée. Mais voilà, c'est pas un battle royale type chevalier. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un battle royale type chevalier. Il y a du coup les avances rapides. Vous avez les sauts. Vous avez l'accroupissement. Et vous avez les différentes attaques parallèles. Et voilà. Ça, c'est une attaque par exemple parallèle. C'est une attaque que vous n'êtes pas obligé d'avoir d'armes pour tirer. C'est un peu une attaque supplémentaire, quoi. Et du coup, il y a un temps de recharge, donc vous l'avez illimité. Et il y a également celle-ci. Là, par exemple, je peux faire tomber plein de trucs au sol. Waouh! Et je vais vous montrer un petit truc que j'ai pas montré dans le lobby. C'est un truc que j'ai assez aimé. Alors, par lobby, on est 100, des fois on est 70, des fois on est 60. Ils lancent selon le nombre de joueurs qu'il y a. Voilà, ils se prennent pas la tête. Il n'y a pas des fois des foules remplies. Là, c'est full rempli, j'ai de la chance, mais des fois, c'est pas full rempli. Je vous cache pas que des fois, on est 70. Bon, l'avion, je vais pas vous cacher qu'il est pas... Voilà, c'est pas un truc de fou.
Tout le monde connaît. On va aller voir là-bas. Et je vais vous montrer le petit truc qui me semble assez sympatoche et qu'il n'y a pas dans tous les Battle Royale. Allez, vas-y, prends la fenêtre, prends la fenêtre, prends la fenêtre, prends la fenêtre, prends la fenêtre. Voilà. Allez, on va regarder s'il y a une arme ici. Ok, il y a un coffre, parfait. On ramasse. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est une armure. J'ai un petit gun. Ici, il y a quoi? Ok, donc là, par exemple, j'ai ramassé quelque chose qui améliore ma compétence d'accélération. Celle que je vous ai fait tout à l'heure, celle-ci, là, regardez. Si je dois aller là-bas rapidement, voilà. Donc ça me l'a amélioré et je crois que c'est le temps de recharge qui est plus rapide. Il y a encore un coffre ici. Ok. Alors, bon, ça c'est du classique, hein. Il y a du tir. En plus, je vous ai montré les attaques parallèles que vous avez systématiquement. Les fioles, bon ça les fioles c'est du heal et autres compagnies, tout ce qui va être soin. Pas besoin. Ici encore une fiole. Ah, vous voyez là-haut là, il y a quelqu'un là. Là, oh, juste là. Lance patate, lance patate, lance patate. Ah, oui, et ça veut dire que par exemple, regardez, je vais le laisser et évidemment il va réapparaître. Et moi faut que je le tue en fait à ce moment là, faut vraiment que je le finisse. Sauf que là si je le laisse en vie comme ça, il va redevenir comme ce qu'il était. Allez, montre moi comment tu fais. Allez, allez. Allez. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. Eh ouais, mais du coup tu vas pas me finir, c'est moi qui te le dis. Allez hop. Aïe aïe. Ouh, ouh, ouh. Voilà, bon cette fois-ci je te finis. Parfait. Donc ça, ça change aussi également un peu des Battle Royale où vous êtes knock et que vous rampez comme un blaireau sans pouvoir vous remettre debout comme ça. Là, c'est vraiment différent et j'aime bien ce principe. Admettons qu'on est dans une zone où il y a vraiment beaucoup de monde et quelqu'un vous knock d'assez loin, bah ça vous permet au moins de pas mourir bêtement. Voilà. Ouais, je vais prendre, hein, ça sera toujours mieux que le lance-patate. Ok. Allez. Oh, il y a quelqu'un là. À chaque fois quand je vais vous montrer, hein. Ah, plus rapide et je peux pas faire mieux. Hein. Ok, donc là vous voyez que du coup toutes mes compétences elles sont passées en bleu. C'est-à-dire qu'elles sont améliorées. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose d'assez sympathique. C'est le moyen de se déplacer. Alors non, il n'y a pas de véhicule à ramasser. C'est quelque chose que vous avez avec vous. Et que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Et voilà, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Alors je sais pas si avec différents héros c'est différents moyens. Moi jusqu'à maintenant comme je vous ai dit j'ai joué qu'avec elle. Donc je ne vais pas savoir les autres. Faudrait que je découvre. Mais je pense que ça doit pas être le même. Également vous pouvez sauter avec. Il n'y a pas de durée, c'est-à-dire que vous pouvez faire toute la game dessus. Et quelqu'un là-bas. Ah non, c'est un effet visuel. Ok. Est-ce qu'ici il y a du loot? Non, par contre ça tire en face. Donc on va aller voir. Mais ils sont où? Oh. Ah ils sont là-haut. Allez, let's go. Je crois qu'il doit bugger mon truc hein. Parce que moi je fais. Oula. C'est bizarre hein. C'est, regardez, je fais tout le tour depuis tout à l'heure, je vois personne. C'est vraiment bizarre quoi. Oh oh. Oh, c'est quoi ça? What the fuck? Je vais utiliser ma compétence. Mmh. Voilà, tu sais son poisson. Ah non, mais là, je suis vraiment pas d'accord, quoi. Waouh. J'étais pas prêt. Waouh. Bon. Bah écoutez, je vais pas me laisser sur ça. Hein. J'ai fini 63ème. Ouais, c'est bien. Pour... Bon, écoutez les potes, cette première game, ce fut un désastre. Mais au moins, vous avez pu un peu voir comment ça se passait. Cette fois-ci, je lance une game. Et cette fois-ci, je tryhard. Allez, on est reparti. Let's go. Ok, donc nous revoilà dans le lobby. Donc là, je pense que je prends quoi, Rolex Cube ou Crystal Squall ou bien Pepper. On va prendre le truc de skill. Voilà. Venez, on tente autre. Vas-y, on va tenter celle-là. What the fuck. Bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, on est 66. On est beaucoup moins. Mais au moins, ça peut garantir la non-présence de bots. Hein. Je le précise, ça peut garantir la non-présence de bots. On va changer un peu de décor. On va aller ici. Let's go. On va voir si c'est différent le moyen de se déplacer. Je vous garantis rien. Mais j'espère. Ok. Oh, je vais prendre des dégâts, c'est sûr. Oh non, c'est bon. Oh putain. What? On peut se déplacer dans l'air, regardez. J'arrive à... Ok. Parfait, bénef. Hein. Oh, il y a un coffre là. Allez. Ok. Mince. Voilà. Donc elle, c'est quoi? Ah ok, elle a un arc elle. Ok. Moyen pour se déplacer. Ah non, c'est le même. Ok, donc je pense qu'il doit y avoir un moyen pour le changer. En tout cas, c'est pas les héros. Autant pour moi, je me suis trompé. J'avais un doute. Ok, donc là j'ai l'arc. Il y a possibilité de prendre une arme supplémentaire. Et du coup j'ai pris une petite arme automatique. Ok. Alors je connais pas du tout ces... Oh, il y a encore un coffre là. Oh, il était caché celui-ci. Ah si, je peux le prendre. Ok, il me propose de le prendre. Ça améliore quelque chose. Donc je vais prendre, hein, let's go. Ici, il y a de la popo. Il y a de la popo. Il y a de la... Oh merde, je me transforme en Perron ATT. Oui, j'arrête de dire ça. Gun, ça j'ai pas besoin. Oh, on peut encore... Ah ouais, en fait on peut monter en haut du moulin. Alors, qu'est-ce que c'est les attaques du coup primordiales? Damage. Ok.
Ok, ça tire une super flèche, j'imagine. Et ça. Ok! C'est pareil, c'est le même principe. Sauf qu'ils ont. C'est quoi ça? C'est moi qui ai mis ça? Ah ouais. Bon. On va aller voir là-bas s'il y a du stuff. La carte, bon, c'est une carte. Oh. Ça me tire dessus là? Non, c'est bon. Ah si, ça. Non? Hein? Quoi? J'ai rien compris. Moi qui ai mis ce clic, je sais pas. Parce que je sais que quand il y a quelqu'un qui vous tire dessus, normalement vous devez pas descendre automatiquement. Dans le coffre ici, il y a quoi? Ok, je ramasse. Bien sûr, j'ai mis le ramassage auto. Donc, quand je sais pas si je dois ramasser, ça me le ramasse automatiquement. Et s'il y a quoi d'autre? Il y a. Ok, il y a ça. Connais pas. Ok, parfait. Ici. C'est quoi ça? What the fuck? Oh. Oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je le sens, je l'entends. Je l'entends, je l'entends, je le vois. Il est où, il est où? Et si je fais ça? Ça marche pas. Et si je fais ça? Oh, c'est trop stylé! What the fuck? Oh, je t'en. Oh, je t'en mets une là. Oh, c'est trop stylé! Et reste ici, toi. Reste ici, reste ici. Voilà, c'est ça que je voulais. En fait, c'est stylé ces petites boules là. En fait, ça fait comme un courant électrique qui va sur eux et qui leur fait des dégâts. En fait, limite, t'en poses plein. Ça doit être trop cheat. Sauf si c'est 3 maximum. Je crois que c'est 3 maximum, ouais. Ok. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour l'instant, il y a encore une munitions illimitées, quoi. Ils ont pas mis en place un système de ramassage de munitions. Peut-être que c'est pas l'une des priorités. Donc ça change un peu le gameplay. Oh, il y a quelqu'un là-bas, vous le voyez? Oh. Allez, allez, allez. Allez, tu peux pas le faire. Il a du crash. Je crois qu'il a du crash. Ouais, il a du crash. Bon, bah, je vais voir ce qu'il avait, hein. Okay. Ça ramasse plein de trucs. Ok. Oh. Oh. Prendre de la popo. Ça m'a mis des dégâts, là, quand même. Je vais recharger. Ah, il est là, il est là. Ouais, il fait quand même des dégâts lui. Tiens, un cadeau. Tiens, un cadeau. Allez, allez, allez. Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive encore, je crois que ça arrive encore. Non? Non? Si? Je sais pas. Je stresse. Alors ça, je sais pas à quoi ça correspond, une sorte de temple là. On va aller voir. On va aller voir, très clairement. Oula, oula, oula. Ah ouais, d'accord, faut aller ici. Il est passé où? Enfin, où elle, il ou elle? Elle est là, il est là. Oh, regardez, c'est un petit chat! C'est un petit chat! Non, mais dis pas qu'il va s'en sortir! Wouh! Let's go! Let's go! Wish. 4 sur 4. Ah, on peut améliorer ses compétences? Ok. What the fuck? What the fuck? Ah c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué. Oh ça tire, ça tire, ça tire, ça arrive. Oh ça se bat.
Je vois une popo, je vois une popo, je vois une popo, je vois une popo. Prends le pompe. Ouah, ça se fight. Ok, ok, ok. C'est bon, j'ai le temps de me mettre la popo. Let's go, let's go. 5 secondes. Oula, il y a du monde autour de moi. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ok. On va également mettre du... Je sais plus comment ça s'appelle, du shield. Voilà. Ouais, mais il me fait trop mal, lui. Ouah, 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 c'est le carnage, là. What the fuck. Waouh. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, hein. Pour un jeu qui est pas encore sorti. What the fuck. Oh. Je me suis transformé en... Vite, vite, vite. Oh, dis-moi que j'ai réussi, dis-moi que j'ai réussi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Enfin, dis-moi que j'arrive à réussir à me barrer. Putain, puis il y avait du monde tout à l'heure ici, là. Pff, allez, je prends du heal. Putain, mais en fait, c'est de la merde, cette arme, là. J'ai pris un pont, mais c'est esquinté. Je suis dégoûté. Oh, le mec, il se prend des dégâts avec mes trucs à moi. Ah, ça, c'est... En fait, c'est trop cheat. Oh, attends, il a plus de vie là. Oh, c'est quoi ce tricheur là? C'est quoi ce tricheur? Il a plus de vie. Allez, allez, allez. Il est passé où? Il est là, il est là. Le combat il est interminable, je te cache pas que là. Ah, je peux prendre de la popo, ok, quand je suis ado. Je peux même marcher en même temps, ok, c'est bon à savoir. On est plus que 4. Oh merde. Oh merde, en plus il y a la zone. Non, non, non. Non. Non, 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 vite, 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 vite. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon, ça passe si je fais comme ça. Allez, allez. Oh non, je suis grave lent avec. Non, 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 non. Non, 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 non. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Non, non, allez, allez. Cours, 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 cours. Mets de la popo, mets de la popo, mets de la popo. Vas-y, vas-y, vas-y. 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Ok, mid-huile maintenant. Allez, 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 allez. Je stresse. Allez, encore, 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 encore. Bois, 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 bois. Ok. Et bon, oh, il y a un coffre là. Oh, oh, oh. Ah mais attends, ils sont en dessous de moi là. Non, c'est mort. Ah putain, aïe aïe aïe, non non non. Non. Comment vous dire que je suis dégoûté. Quelque chose que j'ai pas dit, mais là on peut le voir en bas à droite. Vous avez le chat vocal, donc si vous jouez avec vos potes, vous pouvez jouer avec le vocal in-game. Ça c'est bien. Bon les petits potes, je sais pas ce que vous pensez de ce gameplay. En tout cas c'est vrai que je pense qu'il doit être dur à prendre en main. Je vais pas vous cacher qu'il y a trop de mécaniques. Enfin du moins pour moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup, bah, je pense que je vais jouer un peu de temps en temps. Sachez que si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, votre petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce gameplay en particulier. Parce que c'est vrai que ça change un peu des autres Battle Royale. Il est actuellement encore en bêta, donc il n'est pas encore disponible. Et bah du coup, je vous donne rendez-vous à très bientôt et très très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était PsyTrag, je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye.